Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de la grotte du barbu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Sarah, ma copine de chez Banggood, m'a envoyé un petit paquet. Un petit paquet avec un truc rigolo qu'on va tester. Qu'est-ce que c'est? C'est un mini tour. Et en plus, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, du 7 au 9, puisqu'on est le 9, c'est les 11 ans de Banggood. Donc, je vous mets un lien dans la description. Il y a plein d'offres super géniales. Et la question, c'est est-ce que ce mini tour pour faire des trucs en bois, est-ce que c'est bien? Et en plus, ils l'ont livré avec des outils. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est de la merde? On va voir ça tout de suite. Soyons clairs, si vous voulez vous lancer dans le tournage pour le bois, je suis pas sûr que ce Drill Pro machin truc, alors il dit ça comment? Drill Pro Mini Lathe Machine Woodworking DIY Lathe
7 with DC 24V Power Adapter, je ne suis pas sûr que ce soit l'outil qu'il vous faut. Alors aujourd'hui, il est à 25€ au lieu de 45, quasiment 50%. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Pas vraiment. Pourquoi? Plusieurs raisons. Alors, la première, le moteur, il est plutôt rapide, mais pas très puissant. Vous l'avez vu dans le test, à chaque fois que je commence à appuyer un tout petit peu, il a tendance à arrêter. Alors, c'est pas dramatique. La deuxième chose, c'est que la distance ici maximale, quasiment, est de 10 cm. L'autre chose, c'est les outils qui sont fournis. Alors, certains sont tordus, d'autres sont pas vraiment bien mis dans le centre du manche, et globalement, c'est un peu des outils de merde. Mais c'est pas grave, puisque pour 25 ou 50 balles, faut pas vous attendre à avoir des outils de psychopathe, et ça, c'était attendu. Le vrai problème, il est qu'il n'y a aucun élément sur lequel vous allez pouvoir reposer votre outil. Ça non plus, a priori c'est pas dramatique, mais c'est potentiellement un petit peu dangereux. Le résultat de ce que j'ai réussi à faire sur un bout de sapin, bon, c'est un début, hein, quelque chose de critique, c'est d'arriver à centrer très très bien votre pièce, et là c'est quelque chose que j'ai pas fait. J'aurais pu aussi couper à 45 degrés les différents angles pour faciliter un peu le premier tournage. Moi, ma conclusion, c'est que c'est un jouet en fait. C'est un jouet dangereux, mais ça reste un jouet. Si c'est un peu modifié à droite, à gauche, pour en particulier le mettre sur une structure pour éviter qu'il vibre, lui mettre un support pour les outils et trouver des outils corrects, moi j'ai fait ça avec mes ciseaux à bois Stanley de base, je pense que ça peut être une bonne introduction au tournage sur bois. En tout cas, moi ça m'a vachement donné envie de faire du tournage sur bois. J'en ai jamais fait, c'est ma première expérience. Je suis pas sûr que ce soit l'outil idéal pour la première expérience, mais pour 25 balles, vous avez un moteur 24 volts entre 4000 à 7200 tours minute. Donc c'est pas un produit fini. Je pense que c'est un truc, justement, quand ils disent DIY, ils ont raison. Si vous avez envie de récupérer un moteur 24 volts 7200 tours pour 25 balles, c'est un bon plan. Il y a du profilé à lui, il y a plein de choses à récupérer. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisable comme ça from scratch? Je suis pas sûr, mais pourquoi pas le réutiliser pour faire autre chose. Ma conclusion, c'est que comme produit fini, c'est un peu limite. Comme élément sur lesquels aller choper des pièces ou essayer d'améliorer le bousin, why not? Moi, en tout cas, si j'ai un petit peu de temps, je vais essayer justement de le monter sur une structure un peu plus grosse pour éviter les vibrations, faire en sorte de pouvoir faire un espèce de tout le reste, et surtout essayer d'arriver à trouver un système pour arriver à mettre correctement mon bout de bois dans l'axe, et puis essayer de faire des petits tournages comme ça à droite à gauche pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'était rigolo, un peu flippant de temps en temps, mais rigolo, et honnêtement, pour 25 balles ou 50, écoutez, vous avez ce pourquoi vous avez payé. Voilà, c'est tout pour ce mini épisode spécial anniversaire Banggood avec plein de réductions. Je vous mettrai un lien dans la description. Petite précision, les amages de Banggood m'ont envoyé gratuitement cet outil, mais ils m'ont pas payé. Enfin si, ils m'ont payé puisqu'ils me l'ont envoyé gratuitement. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu trouves que je suis une grosse merde, tu trouves que ce matos il est pourri, n'hésite pas. Ou tu trouves qu'il est génial, n'hésite pas, tu connais la procédure. Email, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires et bien sûr tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour ce test de cette espèce de tour, de micro-tour bizarroïde, mais rigolo et un peu dangereux. J'espère bien sûr que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.